Drop it. Le beau-frère du roi d'Espagne condamné à 5 ans de prison, et bientôt incarcéré. Reconnu coupable, le beau-frère du roi d'Espagne, Iñaki Urdangarin, a été condamné à plusieurs années de prison. Il devrait être incarcéré dans les prochains jours. Le tribunal suprême espagnol a tranché. L'époux de la princesse Cristina d'Espagne, banni de la famille royale depuis 2013 et exilé en Suisse, a été condamné ce mardi 12 juin en appel, à 5 ans et 10 mois de prison ferme. Une sentence légèrement inférieure à celle prononcée au tribunal de Palma de Majorque lors de la première instance en 2017, qui condamnait Iñaki Urdangarin à 6 ans et 3 mois de prison. Il devrait être incarcéré dans les prochains jours. Pour rappel, le beau-frère du roi d'Espagne Felipe VI est aujourd'hui visé par une enquête dans une affaire de corruption. Il est condamné pour détournement de fonds publics, fraude fiscale et trafic d'influence. L'homme aurait détourné entre 2004 et 2006 des subventions attribuées à la fondation à but non lucratif NOU, dont il était le président. Son associé Guy Gautor, également mis en cause, a vu sa peine réduite de 8 ans et 6 mois à 5 ans et 8 mois. Âgé de 50 ans et père de 4 enfants, Iñaki Urdangarin sera prochainement convoqué par le tribunal des Baléares pour organiser son entrée en prison afin de purger sa peine. Il devrait avoir le choix de l'établissement pénitentiaire, dans un délai de 10 jours maximum. Tout indique que ce sera la prison de Brivas, indique la point d'exclamation Iñaki Urdangarin, dispose toutefois d'un recours possible devant le tribunal constitutionnel, afin de demander une grâce.